survoler la région, voir son habitation depuis le ciel, c'est possible lors d'un baptême de l'air. Vous téléphonez au responsable des baptêmes, Régis Dietrich, à ce numéro. Il organisera votre vol en fonction de vos disponibilités, de celles des pilotes baptêmes et de celles des avions. Les baptêmes sont possibles tous les jours. Il faut simplement se mettre d'accord. Vous convenez de ce que vous allez faire avec votre pilote. Si la météo ne convient pas, le vol est reporté. Le baptême de l'air dure 30 minutes. Nous pouvons emporter 2 ou 3 passagers. Les avions sont soumis à des limitations en termes de masse et de centrage. Dans le cas de passagers à forte corpulence, le précisez lorsque vous nous contactez afin que nous puissions vous indiquer si des limitations sont à prévoir. Il peut être nécessaire de répartir les passagers d'une façon particulière entre les places avant et arrière ou de réduire le nombre de passagers acceptés à bord. Nous considérons que le poids moyen d'un passager est de 77 kg. Il est possible d'emmener des enfants. Même s'il n'y a pas vraiment d'âge limite, il faut bien reconnaître qu'il y a peu d'intérêt à faire un baptême de l'air à un enfant de moins de 3 ans. Quel que soit son âge, l'enfant occupe un siège. Il faut qu'un adulte soit en mesure de le surveiller et de le détacher de son siège en cas de besoin. Il n'y a pas de limite d'âge réglementaire. Ce sont plutôt les problèmes de santé et de mobilité qu'il faut voir. En fonction de ceux-ci, il sera opportun de choisir tel ou tel avion ou simplement de renoncer. Les tarifs sont indiqués sur la page Baptême de l'air du site abvm.fr. À la date de cette vidéo, ils sont les suivants. Veuillez les vérifier, ici, lors de votre réservation. Le règlement du baptême est effectué lors de la réalisation de celui-ci, en chèque ou en espèces. Pensez au carton cadeau. Il matérialisera votre présent et sa validité est d'une année. Maintenant, vous savez tout. Appelez Régis à ce numéro pour réserver votre baptême de l'air. Bon vol !